continuation from the same page. Yeah. You have? Nous allons continuer à la même page, si vous vous en souvenez. Page 15. Page number 15. Continue. Dur sim re gus mri gi ni nam sus
Jingle,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
32A. Benzer Guru Padma Siddhi Om 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 Mahom Benzer Guru Bema Siddhi 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 Om Mahom Benzer Mahom Benzer Guru Bema Siddhi Om Guru Bema Siddhi Om Mahom Benzer Guru Bema Siddhi Om Guru Bema Siddhi Om Mahom Benzer Guru Bema Siddhi Om Mahom Benzer Guru Bema Siddhi Om Mahom Benzer Guru Bema Siddhi Om Hum Shi Shi 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 Chen re zin na te du su ting zin ne sen ba shi ngo e ra zin du sul du ju nga chen ne yu ta gi du ni chen na cha du zi zim nga ne da Om Mahom Benzer Guru Padma Siddhi 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 Om Mahom Benzer Guru Mahom Benzer Guru Bema Siddhi Om 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 Mahom Benzer Guru Padma Siddhi Om Mahom Benzer Guru Bema Siddhi Om Mahom Benzer Guru Bema Siddhi Om Om Mahom Benzer Guru Bema Siddhi 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 Om
Benzer Guru Padmasidhi Om Mahamantra 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 Guru Padmasidhi Om Benzer Guru Padmasidhi Om Mahamantra Benzer Guru Padmasidhi Om Mahamantra Guru Mahum better and Guru Bemazadil. The Guru Bemazidil, 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 the Benzer Guru Padmasidhi Om Mahum 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 Benzer Guru Padmasidhi Mahum Benzer Guru Padmasidhi Om 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 Mahum Benzer Guru Marni Padme Hoshi, 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 Marni Mane Padme Hoshi, Mane Padme Hoshi, Mane Padme Hoshi, Mami devare 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 Ami Devashi, Mami 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 Thank you.
This morning, I think Drupan Nawang requesting to give the refuge. But I think refuge process will be taking quite a long time. And I'll give you the refuge vow. And those people who need to go this morning or this afternoon, then you can register yourself or ask the authority to sort of highlight yourself so that we can give the name ahead. And then the rest people will give the name this late this afternoon will give the name. But this morning we can't do the entire because it's time is up. But this refuge has to be squeezed this morning because he requested to do so, so that those people who will leave this this morning may not feel sort of like left over, or may not feel that you didn't get the opportunity to take the refuge. However, the refuge actually means, yeah, go ahead. Donc selon le programme et à la requête de Drupan Nawang, la cérémonie du refuge devait avoir lieu ce matin. Mais bon, je pense que je vais transmettre maintenant la cérémonie proprement dite du refuge. Mais disons que l'attribution des noms se fera plutôt au cours de l'après-midi, dans l'immédiat. Donc il serait bon que vous ayez inscrit, que vous inscriviez vos noms sur des feuilles que vous pouvez trouver à l'entrée, qui ont été placées par responsable de l'organisation. Et je donnera les noms personnellement cet après-midi. Mais c'était la requête de Drupan Nawang que cette cérémonie ait lieu ce matin afin que les personnes qui doivent partir aujourd'hui n'aient pas le sentiment d'avoir été un peu laissées de côté ou qu'ils n'aient pas eu l'opportunité de recevoir ces vœux de refuge. We are taking refuge to what I said this morning. We're not taking refuge and transforming ourselves or converting ourselves into a fanatic follower of some ghost or something like that. We are, you know, we have to know that we are now, you know, transforming to a real Buddhist. The Buddhist actually doesn't believe in that sort of thing. As a refuge. First of all, doesn't believe in creator. Second of all, it doesn't really have the philosophy saying that everybody has a superior. You know, this one is the superior than the other one. That one is superior than this one. There's no superiority. You know, there's no such thing. Everything is equal. Equal in the sense of being emptiness. Being great emptiness, Mahamudra and Dzogchen Chembo. So therefore, we have to understand that we taking refuge actually doesn't mean that we are now, transforming
and what do you call that, the converting ourselves to a particular religion. Religion, idea of religion is not at all welcomed in the Buddhist society, the Buddhist philosophy. Donc le refuge, donc comme je l'ai déjà signalé dans la première partie de l'enseignement ce matin, ce n'est pas une affaire de le fait de se convertir, de se transformer ou de devenir un adepte ou un fidèle un peu fanatique d'un esprit fantomatique quelconque. On doit savoir quand on prend refuge qu'il n'est pas question de se transformer en soi. Dans le bouddhisme, on ne croit pas à ce genre de choses, de façon de se convertir. Tout d'abord, on ne croit pas à la notion d'un Dieu créateur et on ne croit pas non plus à des différences en termes de supériorité, d'infériorité, que quelqu'un serait supérieur à un autre ou qu'une personne soit inférieure à un autre. On ne croit pas à de telles choses dans la perspective du bouddhisme. Il y a cette idée d'égalité, que tous se situent au même niveau d'égalité. Et cela en référence à la grande vacuité, c'est-à-dire la grande union, le Mahamudra, ou dans la perspective de la grande perfection du Dzogchen. Le refuge ne signifie en aucune manière qu'il y a une notion de transformation ou le fait de se convertir en une religion quelconque. L'idée de religion proprement dite n'est absolument pas souhaitable, n'est pas la bienvenue dans le contexte du bouddhisme ou de la société bouddhiste. The reason why I'm saying this is because first of all we don't have the in our notion first you know the primordially Buddha Shakyamuni didn't give any idea of the God being a creator. There is no such thing. So that is the main philosophy that is carried down up until now, that we have no we should not get fanatic with these different so-called deities, the different so-called refuge objects, etc. We shouldn't be fanatic about it. There is the fanaticism is not a very good thing for our practice, and also the not only that, I mean then the refuge also, the object should not be seen as a god or as a spirit. There is no spirit. There is no god. The refuge you are taking refuge under your supervision, under your understanding, under your wisdom. The wisdom itself is Guru, is the Buddha, and the following the path to realize the nature, that realize the wisdom, that there is a path. Until you get to the level of realization, you have to do all sorts of practices, compassion practices, loving practices, you know, the practices of love, practices of compassion, practices of yoga, practices of all sorts of things. Ritual practices are also included in that. That is what we call dharma. That sometime in the Vajrayana we call it dhaka. That is the practice. And that is the main spirit or the principle of dhaka anyway. The practice of compassion, practice of love and activities, planting trees, and also educating people so that the people will live harmoniously with the nature, with the friend, with the human being, with the animals. All these things is a practice. It's a dhaka. The dhaka, if you want, you can just call it dhaka.
Yes, like Dhaka, Lama, Yidam, Kando, that the Guru, Dhaka, Dakinis, it's a Dhaka. You know, so you all sorts of practices with the compassionate mind, and the principle of not harming anybody, principle of helping everybody, helping others. So this kind of a principle is the practice of Dhaka. So that is what you are taking refuge under. And then the third one is, we call it Dakini, and that we need a support. So this Dakini can come in the form of anything, like your own friends, your own father, your own mother, your own supporters, any kind of spiritual supporters that encourages you to help others, you encourages you not to be angry, encourages you not to be desire, not to be sort of greedy, not to be disappointed, not to be depressed, you know. It encourages you to, how do you say, giving you lots of encouragement to go ahead and do some good things, and, you know, in your life, without wasting your time and life and effort, you are sort of like dedicating lots of effort, lots of energy for helping others. So anybody who encourages you, not only just anybody like a human being or animal, but even the nature also encourages you. So all these things, all these source of encouragement, all are Dakinis. So this is what we have to have. If the encouragement is not there, you will not be able to practice. You will not be able to sort of complete your set of practice. Even though you want to practice, you have a sort of like a thought of doing so, but you will not be able to complete it. Why? Because you don't have encouragement. Instead, you would definitely have lots of discouragement. Your family will discourage you, your work will discourage you, your body will be discouraging you, your career will be discouraging you, and lots of conditions really goes, against your practices, definitely. Discouragement is a lot, is almost everywhere, but encouragement is very, very seldom, very few. So this encouragement, source of encouragement, or encouragement itself, is the refuge of Dakini. That is what commonly say Sangha. Commonly they call it Sangha. Commonly they call Dhaka as a Dharma, and commonly they call Guru as a Buddha. So that's a different terminology. Commonly they call Buddha, Dharma, and Sangha. Uncommonly they call it Guru, Dharma, Dhaka, Dakini. You know, there's a different terminology, but it's the same thing. It comes to the level, to the practice of the compassion, loving, kindness to be put in action, you know, love with the action, and compassion with an action. And obviously all needs the wisdom development. Wisdom, if the wisdom is not there, it cannot help. So that is the thing. So that is refuge. Now, this is, I just want to repeat it again, you know. Otherwise, of course, last year or maybe whenever I come here, I talk about the refuge. So you, and also not only from me, many other masters also you may have approached, and they have said the same thing. So I did not really need to repeat it again, but I thought it was a little bit important to encourage, to remind you what is the refuge. Because people, refuge is the very starting point, you know. So when people get misunderstanding about the refuge, then the whole entire practice would be misunderstood, because of the refuge was misunderstood. So therefore, refuge is very, very simple, actually. You have to understand. You have to take refuge to your own wisdom, which is given gift. It is a given gift. It is already there primordially. So that has to be, the refuge object. So
So in order to do so from today on, as the refugees of the wisdom, you need to now interest. You have to have an interest to understand the wisdom. So you have to study, you have to learn, you have to listen to the teaching as much as possible, and then learn and get some education. So then after that, then you will know at the same time almost. Then you will know how to go ahead along with it. So this is what we call meditation. So this meditation, studying, learning, all these things are very much needed from now on. Along with the action, also studying, exercise, action, yoga. Yoga is not only just the hatha yoga and all these narupa yogas, etc. But yoga actually means doing. You have to do it. You shouldn't be sort of like a lazy. You should be doing it. You should be doing it. You just do it. That is the yoga. You have to do it. You have to go out and help people. You have to go out and help beings, help natures. So if you could manage to do that, you will definitely be sort of used to, get used to it. So you get used to it. After getting used to it, you will definitely be mastered. That is what how you improve from the day of taking refuge. You should be improving yourself by doing so. Yoga, that is the thing. Sanskrit, they call it yoga, but we commonly like whatever lay people will call, just do it. Don't be lazy, just do it. Je vous précise ceci parce que nous ne devons pas avoir la notion que le Bouddha Sakyamuni soit un peu comme une notion qui s'apparente à l'idée d'un dieu. Il n'y a pas dans le bouddhisme cette notion de dieu créateur. Il faut comprendre cette philosophie qui sous-tend tout l'enseignement et qui s'est répandue au fil des siècles jusqu'à maintenant. Donc nous ne devrions en aucune manière devenir extrémistes ou fanatiques par rapport à ces notions de ce qu'on appelle habituellement les déités ou bien encore les objets du refuge. On ne doit pas avoir de notion fanatique par rapport aux objets du refuge également. Ça ne serait pas une bonne chose pour quelqu'un qui s'engage dans la pratique. Les objets du refuge ne doivent pas être considérés comme étant de la dimension d'un dieu ou d'un esprit particulier. Le refuge, cela signifie que vous vous placez dans la compréhension, vous placez dans votre propre compréhension, de votre propre supervision, ou bien encore de votre propre sagesse. Et cette sagesse, même cela, c'est ce qu'on appelle gourou, c'est ce qu'on appelle également Bouddha. Ensuite, nous devons, bien entendu, une fois que nous engageons ainsi, nous devons nous engager sur la voie et en vue de la réalisation, de l'actualisation de notre propre nature ou de cette sagesse. Et pour aussi longtemps que l'on n'a pas actualisé cette réalisation, alors nous allons accomplir toutes sortes de choses qui se situent dans le domaine de la compassion, de l'amour bienveillant, dans le yoga, dans des exercices spirituels, dans des rituels, etc. Tout ça, compassion, l'amour bienveillant, le yoga, les rituels, etc., c'est ce qu'on peut appeler le dharma. Dans le contexte du Vajrayana, on appelle ça dhaka. Et dhaka, les héros, et le dhaka, c'est la pratique, c'est cet engagement dans la pratique. Si vous voulez, ça correspond en fait au développement de la compassion, de l'amour bienveillant. Et toutes les activités dans lesquelles on va s'engager vont être dhaka, qu'il s'agisse du développement de la compassion, de l'amour bienveillant, d'effectuer des activités comme planter des arbres ou autre chose, les relations vis-à-vis de la famille, etc., des animaux, l'éducation vis-à-vis du monde extérieur, de l'environnement, des animaux, etc.
si vous voulez, tout ça, vous pouvez l'appeler Dhaka ou les héros. Dans le Vajrayana, on parle de... les termes sont Lama, Dhaka, Dakini, ou plus, pardon, Lama, Yidam et Kandro, les termes tibétains. Mais vous devez comprendre que tout cela ressort des pratiques, c'est-à-dire des pratiques qui visent à développer la compassion en notre esprit et qui visent à éviter de nuire aux êtres sensibles, qui visent à aider tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. Et tous ces principes, si vous voulez, qui sont ainsi développés, ce sont les pratiques de... On peut appeler ça Dhaka, et on prend refuge ainsi en les Dhaka. Et le troisième objet du refuge, c'est en sanskrit, donc en sanskrit on a Guru, Dhaka, Dakini, donc le troisième principe c'est Dakini, et Dakini ça concerne toutes les formes quelles qu'elles soient, ça peut être... celle de vos amis, de votre père, de votre mère, tous ceux qui vous soutiennent spirituellement, tous ceux qui sont des soutiens, des encouragements, ceux qui vont vous encourager, qui vont vous aider à remédier au désir attachement, à l'agressivité, à la déprime, etc. Tout ça, c'est tout ce qui va vous encourager ou tout ce qui vous encourage, tout ce qui vous permet d'aller de l'avant dans votre propre vie, dans les efforts que vous déployez, dans toute l'énergie auquel vous consacrez à aider autrui. Tout cela, c'est Dakini, c'est-à-dire toute personne, pas simplement personne ou animal, tout ce qui vous aide, mais également la nature elle-même qui vous encourage, qui vous soutient, tout cela, vous pouvez l'appeler Dakini. C'est en fait ce principe de Dakini. Et si vous ne comprenez pas, si vous n'intégrez pas cela dans votre pratique, si ça n'est pas complété dans votre pratique, à ce moment-là, vous allez faire face à beaucoup de situations qui vont être... des encouragements, vous allez vous sentir abattu, et au lieu d'être encouragé, d'être soutenu dans votre pratique, vous allez à l'inverse être découragé, vous allez être déprimé, peut-être par votre famille, par votre entourage, votre travail va vous lasser, vous allez vous décourager, votre propre corps devient une source de déprime ou de découragement, et de même la perspective de votre carrière professionnelle, et puis des tas d'autres conditions qui participent de votre vie vont agir comme interférents, vont créer des obstacles à votre propre pratique en fait. Alors que dans notre existence, nous avons plein de raisons d'être déprimés, d'être découragés, et les formes de soutien, d'encouragement sont rares et sont peu nombreux en fait. Mais ce qu'on appelle l'encouragement, si vous voulez, on peut l'appeler aussi Dakini. D'une manière générale, dans l'enseignement bouddhiste, on va parler à ce moment-là de Sangha, la communauté, mais si vous voulez, dans le Vajrayana, on va utiliser plutôt le terme de Dakini. Et de même que le Dharma, si vous voulez, le deuxième objet du refuge, le Dharma, dans le Vajrayana, on appelle ça, d'une manière générale, on dit le Dharma, la voie, les enseignements, mais ça c'est la manière commune de parler. Dans le contexte du Vajrayana, on va parler des Dhaka. Si vous voulez, la manière générale de parler, c'est de faire mention au Bouddha Dharma Sangha, donc le Bouddha, son enseignement et de la communauté. Maintenant, dans la perspective du Vajrayana, de manière non commune, disons, on va parler de Guru, Dhaka, Dakini, le Guru, de manière générale, on va dire le Bouddha, mais dans ses enseignements du Vajrayana, on va plutôt dire le Guru. Si vous voulez, ce sont des terminologies différentes, mais en fait, cela s'adresse au même point. Et c'est-à-dire comment faire pour développer la compassion et au travers l'activité dans laquelle on s'engage, comment développer l'amour bienveillant au travers nos activités.
Et pour tout ça, pour le développement de la compassion, de l'amour bienveillant, bien entendu, nous avons besoin de faire preuve de sagesse et de permettre le développement de la sagesse. C'est une évidence, quoi. Donc le refuge, bon, je me répète à nouveau, si vous voulez, mais je répète toujours, en fait, déjà la dernière fois que je suis venu ou les fois précédentes, j'ai toujours mentionné cela, puis pas simplement... moi-même, mais d'autres maîtres sont venus et vous ont certainement dit les mêmes choses. Donc, je me permets de le répéter, mais c'est pour que ce soit un rappel pour vous. Ça fonctionne en tant que rappel parce que le refuge, c'est vraiment le point de départ de notre engagement sur la voie spirituelle. Et bien souvent, on se rend compte que si le départ, le point de départ n'est pas bien envisagé, et ben à ce moment-là, par la suite, tout va de travers, quoi. Donc le refuge est important comme point de départ, mais en même temps, cette notion de refuge, elle est très simple. C'est vous prenez refuge dans votre propre sagesse, et c'est un don. Qui est présent en vous depuis l'origine, quoi. Et on peut dire que ça, c'est l'objet du refuge, si vous voulez. Et ensuite, c'est la perspective que l'on doit avoir à partir du moment où on devient des réfugiés dans la sagesse. Une fois qu'on s'est réfugié en la sagesse, à ce moment-là, eh ben, naturellement, on va écouter des enseignements, on va les étudier, on va recevoir une éducation par rapport à l'enseignement proprement dit, et ensuite on va mettre cela en pratique, c'est-à-dire on va passer à la phase de la méditation. Mais en même temps, vous savez comment vous allez procéder, vous savez comment vous allez avancer sur votre chemin, c'est votre pratique méditative, quoi. Donc il y a besoin de ces trois aspects que sont l'écoute, la réflexion et la méditation. Ça, maintenant, c'est ce dont on a besoin quand on s'engage dans le refuge, mais et c'est ce qu'on appelle cet engagement, cette pratique, c'est ce qu'on appelle le yoga. Quand on utilise ce terme de yoga ici, ne pensez pas systématiquement au yoga de Naropa, aux six doctrines de Naropa. Ne pensez pas non plus au Hatha yoga ou à toutes les formes, toutes les manières, les différentes formes de yoga. Yoga, vous pouvez penser, ça veut dire faites-le maintenant. Vous devez le faire, c'est ça le sens du mot yoga, quoi. Vous devez aller de l'avant et faire en sorte d'aider les êtres, pas que les êtres vivants ou les humains, les animaux, mais également la nature, apporter un soutien, une aide à la nature. Et une fois que vous êtes entraîné, que vous devenez familiarisé à cela, vous allez acquérir une certaine maîtrise. C'est important dès le départ d'avoir cette compréhension. Donc cet engagement dans le refuge, il veut dire que on va pratiquer les yogas, c'est-à-dire on va pratiquer, on va s'entraîner à cela. Si vous voulez, d'une manière, une certaine manière, c'est spirituel. On va parler de yoga si on parle d'une manière plus commune ou plus public, on peut dire ben, faites-le, simplement faites-le immédiatement, sans être paresseux. Repeat after it. Donc vous allez répéter après saying moi la that, formule. Saying that we are taking refuge until the enlightenment, until the enlightenment, because we get enlightenment, then after that we don't need the refuge. Because we realize our nature, our wisdom. So we don't need a support. We don't need anything. We don't need to sort of because the destination reached already. So we don't need the path, the road. We don't need the car. We don't need the driver. We don't need because we reached to the destination. So until then, we need roads. We need support. All these things. Therefore, you know, we need to take refuge. And until the enlightenment, we take refuge.
Et donc, la formulation dit, à partir de maintenant jusqu'à l'éveil, nous prenons refuge, parce qu'une fois que vous avez atteint l'éveil, vous n'avez plus besoin de prendre refuge. Une fois que vous avez réalisé votre propre nature, votre propre la sagesse, vous n'avez plus besoin de soutien ou quelque chose pour vous supporter et vous soutenir. Vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'un chemin, d'une voiture, d'un chauffeur ou quoi que ce soit. Mais tant que vous n'actualisez pas cette réalisation, vous avez besoin de suivre une certaine route, vous avez besoin de toutes sortes de soutien. C'est cela le sens du refuge. Cho Juna Jube, Sangye Dang, Chanju Senba, Hamje Dala, Gonsu Se, Lopun Dala, Gonsu Se, Da Ming, vous dites votre nom. She Jiwa, Dun Dine Zonde, Chisi Nyingbo, Chanju Par, Sangye Namla, Kyeb Su Chi, Shwe Dang Chanju, Senba Yi, Solang, Tishin Gapsu Chi, Cho Juna Jube, Sangye Dang, Chanju Senba, Hamje, Dala Gonsu Se, Lopun, Dala Gonsu Se, Da Ming, votre nom. She Jiwe, Dun Dine Zonde, Chisi Nyingbo, Chanju Par, Sangye Namla, Gapsu Chi, Shwe Dang Chanju, Senba Yi, Chola Ang, Deshin Gapsu Chi, Cho Juna Jube, Sangye Dang, Chanju Senba, Hamje, Dala Gonsu Se, Sobun Dala Gonsu Se, Da Ming, votre nom. She Giwe Kyang, Dun Dine Zonde, Chisi Nyingbo, Chanju Par, Sangye Namla, Gapsu Chi, Shwe Dang Chanju, Senba Yi, Chola Ang, Deshin Gapsu Chi. Now, with this repetition, you got the refuge vow. And as I mentioned before, because of the shortage of time, the name can't be given right now, but those people who are leaving right now back to home or work and you took the refuge, then this maybe this after finishing this session, you kindly go to the office and then ask them. Give them the name you can mark here and with the red ink, so you can mark on this list of your name here, you can mark this, and then I can provide that immediately for you so that you can have the Dharma name. Dharma name refers to the reminder, it has to be reminder, it has to be used as a reminder, so that name has to be used regularly, as a regular name. It's not a blessing or nothing. You just don't, it's not subject to be sort of kept in the shrine or something like that. It has to be used. Normally, if you may be calling like Jean or Brèche or like Georges or whatever, you know, you have a name, something like that, that can be changed into Jigme something something. And this should be reminding you, nothing, but just reminding you to be good boy, to, you know, reminding you to be a good girl. I think, you know, the Christian name, like a George, is also, you know, it's the holy name, you know, the saint, it's the name of a saint. So this used, it's actually, initially, I think, purpose is to be good boy. I don't know how... how much it is true when it is really comes on the time, how many people are good, being good boy, having that name, by having that name, I don't know, unfortunately. Same with Buddhism also. Buddhist has a beautiful name. They even, some of them call Sangye. Sangye means Buddha. They have a name of Buddha. And they're doing maybe very naughty things. With the name of some Buddha, but they are doing the opposite thing. So, but obviously,
The purpose of having a Dharma name is to remind you to be a good boy and good girl. So therefore, now after taking refuge, this name has to be used. And by using it, you will be reminding yourself to be a good person and good behaving. So that is the thing. When you're about to behave something wrong, you should remind yourself, you are, I am so and so and so. Name has been changed at that moment, at that time. In Plure, we have done this, the name has been changed. And actually, at the same time, we have to change the behavior. So I shouldn't be doing that. So if you are doing something wrong for the society, for yourself, and for others, for your wife, for your husband, for your children's sake, you do something wrong. You are about to do something wrong. You should be sort of reminding yourself with the name of that refuge name. So that is the purpose. So I will provide that afterwards. So that's it. Along with that, dedication of the refuge. And I will skip doing the hair cutting also. There's not much of a point because you're not becoming genyin. The serious genyin, like a renounced genyin, and renounced getsul, and renounced gelong. You're not going to be that way. You're just taking refuge just to be a good person, which is good enough anyway. So therefore, I'm going to skip the hair cutting part. I don't want to be a hairdresser. anyway, I'm not good at this. I can't cut my hair also. So that's the thing. So I'm going to skip that and dedicate. Okay, dedication. Tim ge sul tim ge me jing sul tim number ta da lom sem me be sul tim ge sul tim re chin do jo gel wa gun ge ji su lu gyu de sam bu chi ba yo su zu se chen sul tim je ba ji me yo da ba da de me nim gun me ju be ne jirje pola kumbe de milam na ya dise mi jun jin jan ju sem da nan mya mi dil we sul tim pun sum so be da shi sho. Thank you. Then as I mentioned before, you just mark on this. Donc, who are leaving now? Donc en ce qui concerne le refuge, comme je l'ai mentionné précédemment, nous n'avons pas le temps de rentrer dans toute la partie formelle du rituel. Donc vous avez ainsi reçu ce vœu du refuge. Pour ceux qui doivent s'en retourner chez eux ou bien retourner à leurs activités, pensez que vous avez reçu le refuge. Donc à la fin de cette session, peut-être vous pouvez vous rendre au bureau et signaler que vous avez pris refuge, mais que vous devez partir. Donc il y aura une feuille qui sera prévue, vous inscrirez votre nom avec un stylo rouge de préférence. Non, avec un stylo rouge, il n'y a pas de préférence. Et vous recevrez ainsi un nom du Dharma. Et le nom du Dharma, considérez que c'est un rappel, c'est un nom, c'est, vous le devez l'utiliser d'une manière régulière. Ce n'est pas un nom qui a une bénédiction particulière ou que vous devez le garder comme quelque chose de précieux sur votre autel. Vous devez utiliser le nom du Dharma qui vous est donné. C'est un rappel, c'est comme dans votre tradition, sans doute vous avez reçu un nom comme Jean, un autre nom, ou bien Georges, et à partir du moment où vous prenez refuge, vous devenez quelqu'un qui s'appelle sans peur ou intrépide, c'est-à-dire Jigme quelque chose dans votre nom, Jigme sera le début de votre nom, et en gros ça veut dire que vous devenez quelqu'un de bien, vous devenez un bon garçon, vous devenez une bonne fille, et c'est aussi le sens, je pense, dans la tradition chrétienne. Par exemple, si vous avez un nom comme Jean ou Georges, ça fait référence en général
à des êtres qui furent saints dans ces traditions. Et c'est une forme de rappel pour vous inviter à être quelqu'un de bien, une bonne personne. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça peut vous soutenir. Quand viennent les moments un peu plus délicats, est-ce que vous êtes toujours une bonne personne? Malheureusement, il y a toutes sortes de situations peut-être. Mais bon, c'est pareil dans le cas du bouddhisme. On vous donne des noms qui sont des noms qui ont l'air, qui sont très bien. Mais ensuite, qu'est-ce que vous faites? Ça dépend. Par exemple, on donne parfois le nom de Sangye. Sangye, ça veut dire Bouddha. Et c'est vraiment un... Mais bon, si dans votre vie vous faites des choses un peu malsaines ou un petit peu inconvénientes, et ben à ce moment-là, c'est pas très bien, quoi. Vous avez reçu un nom qui est le nom du Bouddha, et si vous en faites des choses qui sont totalement à l'inverse, ça convient pas du tout. Donc c'est une forme de rappel, et donc c'est le rappel que maintenant que vous vous engagez dans le... avec ce nom du Dharma, c'est un nom que vous devez utiliser, et c'est une invitation à être quelqu'un de bien, une bonne personne, et à avoir une conduite qui soit aussi correcte. Si vous faites si vous êtes amené à faire des choses qui ne sont pas correctes, et à ce moment-là, vous devez vous rappeler, tel jour, à Plouray, j'ai reçu ce nom du refuge, et ça implique également que je change ma conduite. Et donc, si maintenant je me mets à faire quelque chose d'inconvénient, de déplorable, que ce soit vis-à-vis de la société dans laquelle je me trouve, ou bien vis-à-vis de mon mari, de ma femme, de mes enfants, d'autres personnes, si je fais quelque chose qui va de travers, je vais à l'encontre d'eux, je devrais, à ce moment, avant d'agir, je devrais me rappeler, mais j'ai reçu tel nom, et c'est un nom qui m'invite à une conduite différente. Ensuite, donc, la dédicace a été faite, c'était une dédicace en rapport, c'est la dédicace du refuge, mais qui était en relation avec le développement de la conduite éthique. Et donc, je ne vais pas non plus, il n'y a pas de cérémonie de couper les cheveux comme on fait habituellement, parce que ce n'est pas une cérémonie dans laquelle vous recevez les vœux de fidèles laïcs au complet, les vœux de Genyen. Ce n'est pas non plus les vœux de novice de Getsul, ni les vœux de moine ou de nonne pleinement ordonné de Gelong ou de Gelongma. Ici, il n'y a pas ces renoncements avec ce vœu du refuge. Mais le vœu du refuge, en soi, c'est déjà quelque chose d'excellent, quoi. Et puis, bon, il faut bien le dire, je n'ai pas une vocation à être coiffeur non plus. Donc, nous avons fait cette dédicace. Encore une fois, ceux qui doivent partir, vous transmettez vos noms sur une feuille à l'accueil. Je vous remercie du fond du cœur et vous ne partez pas. Vous ne partez pas. Non. Donc, vous ne partez pas, ce n'est pas une indication pour midi, c'est vous ne partez pas aujourd'hui, partez demain. Aujourd'hui, vous êtes là. Si vous êtes là, c'est bien aujourd'hui. So, don't leave. It doesn't mean don't leave immediately from Drupal Line. It means don't leave today, leave tomorrow. But if today you can be here, it's good. Pour ceux d'entre vous qui ont un damaro, Kenmo Tingzin dit, c'est bien que vous ameniez les gros damaro, qu'on appelle les damaro de Tcheu, parce qu'ils sont utilisés dans la pratique du yangtik. So Kenmo Tingzin says, if you have brought your big damaro, please, your Tcheu damaro, bring them for the practice. The yangtik practice needs to have a damaro. Encore, s'il vous plaît, si vous pouvez attendre un peu, il y a d'autres messages. On essaye de faire vite. Mais... Oui, bonjour. Je voudrais juste vous dire un mot au sujet des parkings. Nombre d'entre vous se garent dans le chemin qui arrive au centre ou dans le chemin derrière le temple.